Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Raymond DeVos. Alors oui, je sais, j'ai maigri. Je suis plus jeune, certainement plus beau. Je reviens. Mais vous ne savez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Ah bon? Pourquoi? Bah parce qu'il la rate. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai? Vous avez un chromosome en plus. C'est-à-dire? Une case en moins. Et vous n'allez pas supprimer froidement un de vos patients? Si! Ma patience a des limites! J'en ai assez de vous dire ne vous laissez pas abattre! Les petits n'ont pas l'air d'avoir compris la Ouais, le deuxième rang aussi, ouais, ils ont l'air d'être que droite. Je voulais lui soumettre une définition savante et sophistiquée du mot personne. Et c'est pas facile quand il y a personne! Pauvre belle maman. Bah, il faut dire que j'ai passé une partie de ma vie à essayer de la semer aussi. Hein. Je l'ai semé partout. Sur un quai de gare, dans la foule. Je l'ai même semé dans un champ, une fois. Alors, en accueillant chez moi, je ne faisais que récolter ce que j'avais semé. Le paquet? Et tout le paquet y est passé. De plus, elle ironise. Oh, je sais plus où mettre mes cendres. C'est comme une plaisanterie. Les plus courts sont toujours les meilleurs. Un souvenir de vacances, musique. Mais non, arrête. Se coucher tard, se coucher tard, se coucher tard, oui! Ah, il y a bien debout, hein. Bon, prenons un fil de téléphone, Philippe. Tu vois le fil du téléphone, d'accord? Je vois, mais bien tu coupes le bout du fil, il y a encore quelqu'un au bout du fil! Mais marquant. Il part au quart. Ouais, mais le quart est passé, là. Eh ben, si le quart est passé, vous l'avez raté. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7, monsieur? Prendre le quart! Mais pour où? Pour quand? Raymond, dis que le ridicule tue, est-ce vrai? Ah, mais non, regarde dans la salle. Ouais, y a que des gens bien portants. Bon, allez. Je ferai le tour.